Salut les amis, aujourd'hui on va se voir en vidéo les petites descentes du bike park d'Ancel. Allez, c'est parti. Du coup, vu que j'ai besoin un petit peu d'entraînement, parce que pas ce week-end, le week-end prochain, je vais m'aligner sur la rando de la Saint-Langiron à Saint-Léger-les-Ménez pour 40 bornes, 1700 mètres de dénivelé. On va se faire les montées à la force des mollets et on va pas prendre le télésiège. Donc on programme au moins 3 montées et 2 descentes différentes pour se régaler. Allez, on est parti pour la première ascension. Donc on va se la faire au moins 3 fois. Du coup, pour se faire un petit peu un entraînement comme je vous ai dit. Pour la rando à la Saint-Langiron. Allez, dernier coup de pétard avant d'arriver au sommet de la première descente. Et comme je vous le dis toujours ici, tout se mérite. Hein. Allez, profitez un petit peu de la vue. On y est. On est en haut de la première descente. Allez, on est parti. Vous allez voir, vachement sympa celle-là. Ouh. Elle a quand même ravimé par rapport à l'année dernière. Ouh. C'est la première partie et la deuxième elle est un peu plus ludique, un peu moins technique, on peut aller un peu plus vite. Bon là, la deuxième ça monte déjà avec beaucoup moins d'enthousiasme, surtout quand tu vois les murs qui te restent encore à gravir. Mais bon, il faut bien travailler un petit peu aussi pour éliminer toutes les bonnes choses qu'on mange à la montagne. Il n'y a pas le choix. Un petit point de vue. Avant de s'attaquer. Dernier petit croissant de la deuxième montée. À la deuxième montée, tu commences à regarder le télésiège avec attention. Puis tu continues à rouler. Voilà, on est en haut. C'est la montée pour aller chercher la première descente. Du coup, pour la troisième montée, petite cerise sur le gâteau, va falloir aller tout là-haut pour aller chercher la deuxième descente technique du bike park. Voilà, ça c'est le petit bonus à piste de ski. On est obligé de prendre en travers tellement que c'est raide. Belle les copines. Deuxième partie. Première, on s'est un peu rappelé comment on faisait du vélo. La deuxième, on essaye d'attaquer un petit peu plus. On est en train de monter pour la
la troisième fois. Là, on vient de passer le premier coup de cul. Ouh, j'ai tout coupé. L'expression tranquillou bouillou prend tout son sens. Hein. Là, ça commence à picouiller les jambes. Et donc, cette fois-ci, on va faire l'ascension totale jusqu'en haut du télésiège pour aller chercher la deuxième descente. Et puis, la dernière de la journée aussi. On clôturera avec celle-là. À la troisième montée, tu regardes le télésiège et puis tu te dis que tu as été vraiment con de pas le prendre. Allez, je vous parlais de cerise sur le gâteau. On est en plein dedans. La terrible montée par la piste de ski. Moi, je l'ai déjà réussi quelques fois, mais jamais avec ce vélo. Je ne l'ai pas encore tenté, donc on va voir ce que ça donne en 29. Eh bien, la piste de ski s'est fait, mon grand étonnement, plus facile que les autres années. Je sais pas si c'est la perte de poids ou VTT en 29 qui va mieux. Ça va, j'ai pas galéré, je suis content de moi. Pour récupérer un petit peu des forces au lac artificiel pour le canon à neige tout en haut, et puis après on s'attelle à la descente. Allez, c'est parti. Merci. Avant d'aller chercher la suite, on a même le droit de se faire un petit panorama. Oui, là. Toujours tendance à vouloir tirer dans le ravin, là, je sais pas pourquoi. La gravité, je sais pas. Chaque fois c'est pareil. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même, ça reste quand même des descentes assez ludiques où on peut vraiment s'amuser. Ça tombe bien. Il ne faut pas un super bagage pour les faire. On peut lâcher du coup un petit peu les freins et te faire plaisir. Le petit passage en sous-bois, il est magnifique. Et on arrive sur la fin. Et
Et voilà, on a fini pour cette dernière descente. Là, ça remonte un petit peu et on rejoint la route par un petit chemin. Bon, ben voilà, cette petite sortie à la force des mollets sur le bike park d'Ancel terminée. Moi, j'ai envie de faire deux constats. Je suis vraiment pas prêt pour le parcours de la Salon-Gironde, le 40 km, donc on verra si je vais pas faire le 30. Et je voulais remercier les petits échappeurs locaux qui travaillent sur ce petit bike park. Parce que chaque année, les descentes sont un petit peu modifiées, notamment la plus grande, et à chaque fois, c'est de mieux en mieux. Seule question que j'ai envie de vous poser, c'est quand c'est que vous allez nous concocter une troisième aussi bien que les deux que vous avez faites là, histoire de diversifier un petit peu les descentes. Et moi, si vous êtes en vacances sur Ancel, je vous conseille d'aller les faire parce que franchement, c'est un régal. C'est des descentes assez ludiques, donc on n'a pas forcément besoin d'un super gros bagage technique, mais on peut lâcher les freins et se faire plaisir dedans, c'est du caviar. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!